Attention, si tu ne likes pas cette vidéo et ne t'abonnes pas à ma chaîne YouTube dans les 5 prochaines secondes, voici ce qu'il va se passer une fois que tu auras regardé cette vidéo. Ouais, bah... Ouais non, en fait, pas grand-chose. Ouais non, il va pas se passer grand-chose. Mais vas-y, mets quand même un pouce bleu, s'il te plaît, frère. Ça fait plaisir, t'as vu? Salut tout le monde, c'est Flo. Aujourd'hui, on est parti pour une toute nouvelle vidéo dans le mode créatif pour un mini-jeu que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube. Donc c'est cool, vous voyez, il y aura un petit peu de nouveau. Et pour tester ce nouveau mode, je serai accompagné de Zedrox. Là, il ne m'entend pas, mais je vais le rejoindre juste après, vous inquiétez pas. Et puis on va pouvoir justement débuter cette vidéo. J'en profite pour avoir votre attention, pour vous rappeler qu'une fois qu'on aura atteint les 10 000 soutien dans la boutique de Fortnite, que je vous ferai gagner 1 000 € de V-Bucks, ce qui est quand même assez énorme les gars. C'est quand même 100 000 V-Bucks, voilà, je vous laisse imaginer, ça fait quand même énormément de V-Bucks. Et il y aura 10 gagnants, donc ça sera 1 000 V-Bucks répartis pour 10 personnes, donc 100 € de V-Bucks pour 10 personnes, tout simplement. Mais ça c'est seulement une fois qu'on aura atteint les 10 000 soutiens. Donc moi je vous laisse gérer, franchement, je vous fais confiance. Pour le moment on est en route pour les 4 000, ensuite les 5 000 soutiens, et puis les 10 000 soutiens, ça sera au fur et à mesure des mois. Mais en tout cas je suis certain qu'on arrivera une fois à les atteindre, mais moi je compte vraiment sur vous les potes. N'oubliez pas de venir me follow sur Instagram, parce que prochainement je vous ferai un concours de 100 € de V-Bucks. Là c'est pas 1 000 €, tu vois, c'est juste un concours pour Noël, pour 100 € de V-Bucks. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de venir me follow sur Instagram, tout est dans la description. Sinon c'est flou YT tiré du bas, tout simplement. Et donc dans la boutique d'objets, tu vois, une fois que tu as mis le code créateur flou juste ici, tu prends un skin, voilà, hop, là bah je sais pas, il est un peu dégueulasse, mais vas-y, nique sa mère, achetez l'objet comme ceci, et puis ça me soutiendra énormément. Ok les potes, on est parti. Zedrox, il est juste ici. Comment tu vas mon petit Zézé? Est-ce que tu es prêt? En tout cas pour ce mini-jeu que tu vas découvrir justement en même temps que moi. Je suis très prêt. Ouais, t'es très prêt. Ok, ok, bah tant mieux alors Zedrox si tu es très prêt. Non, plus sérieusement, en fait, regardez, je vais juste vous montrer. Avant de lancer le jeu, on atterrira ici dans une sorte de grande salle. Et en fait, comme vous le constatez, il y a plein de portes avec des coffres à l'intérieur justement. Et grâce à l'émote pancarte qui sera un chiffre entre 0 et 10, on va pouvoir choisir quelques coffres. Mais attention, parce que certaines portes sont des pièges. Donc on pourra très bien perdre tout notre stuff et devoir tout recommencer. Zedrox, on aura le choix entre 6 portes, c'est-à-dire on pourra pas répéter l'action plus de 6 fois. Bon, là c'est tout simple, d'accord. Donc moi j'ai spawn au carré rouge et Zedrox a spawn au carré bleu. Bah comment ça se fait qu'il est fait là, Zedrox? Tu l'as cassé, tu l'as mangé? Ah d'accord, et donc en fait si on termine sans armes, on pourra justement rentrer dans cette salle et sélectionner 4 armes parmi les armes qui sont proposées. Mais comme vous le constatez, les armes sont pas du tout ouf, puisqu'elles sont toutes grises. Ou sinon là-bas il y a l'arbalète épique, mais vous le savez bien que l'arbalète épique c'est un peu éclaté. What the fuck? Ok, bah let's go Zézé, on est parti. Est-ce que tu as les modes pancarte déjà pour commencer? Non, je l'ai pas. Ok, bah c'est pas grave, je vais faire pour toi. Alors tu vas pouvoir les chercher. Oh bah directement. Ok, vas-y, rentre, on va voir si tu meurs. Bah, franchement, c'est pas plus mal. Non, mais tu sais que c'est pas plus mal, hein. Parce que au moins, t'auras pas eu de stuff, donc t'auras pas perdu tout ton stuff. Tu vois? Donc, déjà, ça c'est bien. Bah, vaut mieux que ça soit comme ça que plutôt que tu te bouffes le 0 à la toute fin, quoi. Donc là, tu as encore le droit à 5 portes. Bah la porte numéro 2 qui est juste ici. Entrez monsieur, je vous en prie. Oh. Oh, donc tu as le droit que de prendre un seul item. Un seul item. Ah, ouais. Okay, ouais, c'est qu'un item parmi les items qui sont proposés dans le coffre. Je vais garder les puantes. Ok, ok, y a pas de problème. De toute façon, tu as le choix. Viens, viens, on décale à la porte numéro 5. C'est juste ici. Après toi, mon petit Zézé. Attention. Ok, pour le moment, il y a toujours pas d'armes. C'est que des accessoires. J'espère au moins pour toi que tu auras une petite arme pour pouvoir te défendre. Ok, les grenades collantes, il y a aucun problème. Ensuite, la porte numéro 8. Ok, c'est pas un piège. Oh, oh, oh mec, il se met trop bien là. Oh les gars, il se met trop bien. Bon, les fusils d'assaut que t'as, mec, ils sont insane. Ok, ensuite, prochaine porte. Porte numéro 10. C'est juste ici. J'espère que je meurs pas. Ah, j'espère pour toi, vas-y. Ok, ok, ok. Oh, putain. Mais mec, c'est quoi ton stuff? Attends, donc là, on a combien de portes? 1, 2... 3, 4, 5. Ouais, plus qu'une. De toute façon, t'es obligé, gros. Franchement, je te souhaite que ça soit pas une porte avec un piège. Après, il faut savoir si c'est une porte qu'on a déjà jouée. T'as le droit de re-rentrer dedans et prendre un item. Y'a aucun problème. Porte numéro 9. Ah, nouvelle porte. Vas-y, attends, laisse-moi l'ouvrir, ok? Après, ton petit Zézé. C'est un piège, je le sens. Non. Putain, mais mec, t'es trop bien. Donc en fait, attends, montre les armes avec lesquelles t'as réussi à t'en sortir quand même. Parce que là, t'as quand même eu du super stuff. Fusil à pompe en or, hog en or, arbalète, enfin pas arbalète, arc explosif, grenade, grenade. Mec, il est vraiment super bien Zedrox, t'as pas le droit de perdre. Après, reste à voir les armes que je vais réussir à choper dans le carré rouge. Ouais, donc c'est bien ça, ouais, c'est ça, j'ai spawn au carré rouge, moi. Ok, on est parti avec la porte numéro 2. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas avoir de chance, moi.
Voilà, au moins ça s'est fait les gars, voilà c'est ça. Au moins ça s'est fait, on meurt directement dès le début. Après j'aimerais pas me retaper la porte numéro 2 parce que tu sais c'est possible en fait, hein. Y a pas... Bah en vrai ouais. Ok, porte numéro 5, s'il te plaît, là ça marche. Ok. Des grenades, en fait j'ai eu le même coffre que toi, t'as vu? Genre en fait c'est le même coffre. Ok, coffre numéro 6. Ok, tout se passe super bien. Ouais. Donc là c'est les snipers. Bon, on va pas déconner les gars, on va quand même prendre le sniper lourd. Ensuite, prochaine porte. T'es un bâtard là. Mec, tu sais qu'il y a pas de shield en fait. C'est pas sympa ça ce que tu viens de faire. T'inquiète, c'est pas grave. Porte numéro 1. Ok, je ne meurs pas. Oh, les fusils à pompe. Oh putain. Ah, je fais mon cancer. Ah, moi je te le dis. Ok. Donc là, je peux encore ouvrir 3 portes. Ah ouais, ça fait beaucoup là quand même. J'ai quand même beaucoup de chance de mourir. Porte numéro 4. On est parti. Ok, je suis pas mort. Oh là là, les scars. En fait, il y a que des armes légendaires. T'as comment, en fait? Bah ouais, je pensais qu'en fait c'était des armes de ouf, enfin pas forcément ouf, genre des armes vertes, etc. Qu'on pouvait avoir, mais non, pas du tout. Donc là, plus que 2 portes. La porte numéro 4. Ah bah let's go. Ah mais c'est super ça, Zedrox. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme? Bon, vas-y, je vais prendre la hog, mais je vais pas jouer avec, hein. Et comme dernière porte, la porte numéro 9. Ce serait marrant. Ah putain. Ok. Tu sais que ça aurait quand même pu être un piège, hein. Mais ok. Attends, on est exactement pareil. Bah, ah ouais? Attends, montre ton stuff toi. Ah non, moi j'ai une grenade en moins. Moi j'ai 2 fusils d'assaut, tu vois. Ouais, non, c'est pas exactement pareil, mais c'est vrai qu'on a quand même tous les deux de super bonnes armes. Il faut savoir que le round se fera en 10 kills, donc le premier qui atteindra justement les 10 éliminations remportera la manche, tout simplement. Ok, viens Zedrox, maintenant on va pouvoir choisir notre stuff entre le spawn numéro 1, le spawn numéro 2, 3 et 4. Au pire, tu sais ce qu'on va faire, toi tu vas dans le spawn numéro 2, moi je vais dans le spawn numéro 1, tu sais, on va pas se casser la tête. Vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1, ok, let's go. Donc là, à partir de maintenant, si on se voit, on a le droit de se tirer dessus, d'accord? Donc, pas de soucis à me faire. Ouais, c'est vrai qu'elle est archi stylée, mais elle est aussi très très grande, hein, j'ai l'impression. Faudrait que j'arrive à te trouver. Attends, tire un coup là, comme ça je te repère un peu. Je t'entends pas tirer. Oh, des grenades! Ok, je t'ai vu. Ça va, je t'ai repéré, mon petit zé, hein. Je me mets en route, t'inquiète. Mais tu sais que tu perds de la vie en plus, Alzgeg. Regarde, regarde, regarde. Toi, tu m'as mis aucune balle, hein. Moi, depuis tout à l'heure, je t'ai mis des balles, gros. Hein. Oh putain. Eh bah ouais. Oh, Zedrock, ça a plus beaucoup dit, hein, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Ah, tu sais pas, t'es pas au courant. Attends, mais gros, j'arrive, t'es juste en dessous. Je t'entends, tu m'entends avec ton fusil à pompe? Zedrox. Non. T'es en bas. Oh, je t'ai vu. Attends, comment je fais pour sortir de là? Zedrox. Bah ouais, t'es un peu gros, tu dépasses sur les rebords, oublie pas, hein. Mais ça veut dire que tu vas respawn ici. Merde. Bah alors. Wesh, wesh. Il se passe quoi là? Oh, toi mon pote. Ouais, t'es mort. Non, t'es mort. Ah bah ouais, t'es mort. Et bah voilà, t'as plus de shield déjà. Ça commence bien, hein. Allez hop, ça part en box fight. Oh gros, t'as tellement plus de vie. Oh, t'as tellement plus de vie. T'en ai mis une? Non. Oh. Mais mec, je te violente. Ah ouais, bah non, ça marche pas, Zézé. Par contre, gros, je suis vraiment en train de te violenter, hein. Tu programmes assez cher, on va pas se mentir. Zedrox, coco. Oh. Oh, let's go. Je suis à combien de kills? Ok, pour le moment, je suis à 4. C'est-à-dire, si je te tue encore 6 fois, bah, c'est la win, en fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, là, pour le moment. Ouais, mais t'inquiète, tu gagnes. Non, mais là, c'est du spawn kill, là, quoi. Là, c'est de la triche. Là, c'est de la triche, oui, les bruits. Merde. Oh, le con. Imaginez, il se suicide, les gars. Zorak, ça va? Ça va, tranquille. Autant pour moi, hein. En fait, je régène. Oh, yes. Ah, le bâtard. What? Mec. Tu sais que ta grenade collante, elle m'a pas mis de dégâts. Bah. Genre, elle était collée sur moi, mais elle a pas mis de dégâts, je comprends pas. Bah, tu sais pas là. Oh, le noscope. Waouh, mais... Et là c'est du viol en fait, je suis désolé gros. Mais après ça les potes, c'est grâce à vous, hein. C'est parce que vous avez mis le code flou dans la boutique, forcément ça me rend plus fort. Wow. Et ça marche avec toutes les personnes parce que par exemple, Zézé lui a mis son propre code créateur. Voilà le résultat, les gars. Hein. Oh le bâtard! Wesh! Oh, let's go! Oh, t'es con! Oh non, t'étais tellement bien! Wesh! Tu sais que t'étais super pas bien grave, que tu... pas grave. Ah bah ça va alors, c'est pas grave.
Oh, Zedrox, qu'est-ce qui se passe là? Oh non, il est tombé. T'es tombé où? Ouais, non. T'es tombé où? Et là, tu vois, je suis genre le mec qui sait pas où t'es, mais en fait, je sais exactement où t'es. C'est le livreur, monsieur. Allez. Non, ça mais dégage. Non. Ça dégage, il y a plus personne. Ok, on va niquer Zézé. Ok, il était pas prêt à ce que je viens de par là. Bonsoir, monsieur. Hop, voilà, je vais juste vous piocher. Excusez-moi, c'est vrai que c'est un peu du viol, mais je le fais quand même. C'est que là, j'ai pas de vie, hein. Honnêtement, tu sais que j'ai 73 HP. Et là, je suis à 1 kill de la win. Hein. Essaye au moins de tuer une fois. Là, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. C'est la première fois que j'ai aussi peu de vie. Donc, essaye de faire un petit quelque chose. T'es où? Je suis derrière toi, pourquoi? What? Oh, comment j'aurais pu tuer? Eh ben, désolé mon petit zézé, bah ça part déjà pour le premier round sur un 10-0 les gars, y'a plus de respect. Ok les potes, on est parti pour le second round, le round final. Donc là zézé, il a spawn au carré orange et moi j'ai spawn au carré violet. Ok Zedrox, on est parti, on va commencer par toi du coup. Alors tu vas pouvoir ouvrir la porte numéro 9 qui est juste ici. Let's go. Ok, ça commence super bien les gars. Ok, ensuite la porte numéro 10 qui est tout au fond. Ils auraient pas pu faire les portes numéro 1, 2 pour les premières tu vois, non ils auraient pas pu. Vas-y la porte numéro 10. Ouais, je t'étais déjà ready pour aller dans l'arène. Ah! En fait, il y a quand même des armes bleues en fait. C'est juste qu'on a vu de la chatte avant. Ok, ouais. Donc t'as décidé de prendre le pistolet. Ah, c'est. Eh non, c'est de la triche là. Tu reposes. Tu reposes ça tout de suite, Zézé. Ensuite, la prochaine porte, c'est la numéro 0. Allez hop, on fait demi-tour. Allez hop, on est parti. Vas-y, Zézé, après toi. Oh. Oh là là. Ah, donc bah, c'était une porte piégée. Le gun là que t'as ramassé, tu dois le mettre ici. Regarde les items que tu as perdu. Ouais, bah vu que tu es mort, en fait, quand tu meurs, tu perds tous tes items. Donc voilà, au moins c'est arrivé. Ce qui devait arriver arriva. Bah après, ça va, c'est pas comme si c'était une scar quoi. Donc pour le moment, tu as ouvert 3 portes, c'est bien ça? Non, 2. Non, 3. Il y avait celle-ci, celle au fond que tu es mort et celle là-bas. Donc tu as 3 portes. Vas-y, let's go. La numéro 5 qui est juste ici. Non, mais t'es con quoi. Hein? Mais il a de tu ou quoi, Zézé? Là, t'as vu, là, tu okay. Meurs pas. Comme quoi, c'est différent, en fait, d'une couleur à une autre. Ensuite, tu vas pouvoir ouvrir la porte numéro 1. Oh là là, vas-y, fais pas ton cancer, mec, s'il te plaît. Vas-y, prends des trucs bien. La boogie, c'est bien. Okay, des ballons, tu veux jouer des petits ballons? Ok, et la dernière porte, la numéro 10. Bah, en fait, c'est là où il y avait les guns. Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, t'as le choix entre les guns qui sont encore restants. Ok, les doubles pistolets. Bah vas-y, let's go, go. On va passer maintenant à mes armes. Alors, on est parti pour la porte numéro 8 qui est tout au fond. Ok, c'est bon, c'est celle-ci. Je ne meurs pas. Ah ouais, est-ce tu vois, ce coffre-là, on l'avait pas eu en fait. Il y avait quand même pas mal de fils d'assaut. Je sais pas quoi prendre parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choix. Je vais la jouer clean. Hop, je vais prendre le fusil d'infanterie. Ensuite, la porte numéro 1. En vrai, j'aurais le seum de mourir parce que j'aimerais bien jouer avec cette arme en fait. Ok, bah c'est super. Du coup, tu poses. Bah ouais, exactement. Donc je vais devoir abandonner mon fusil. Mais moi, je voulais jouer avec, gros. Mais je peux pas. Voilà, hop, je suis obligé de l'abandonner. Donc ensuite, la prochaine porte, c'est la numéro 10, la porte du fond. Ah bah voilà. Là, c'est intéressant, tu vois. Hop, on prend la scar. Non, je vais laisser ouvert, comme ça, on n'est pas perdu. Ensuite, la porte numéro 8, qui est juste là. Ah bah voilà, bah c'est parfait. Hop, je vais prendre la batteuse. Ensuite, prochaine porte, la porte numéro... Attends. Ah. Je sais pas pourquoi mais j'ai un petit pressentiment là quand même. Je sais pas pourquoi. Wesh wesh. Bah non ça marche pas. Bah non Zedrox parce que là du coup t'as un kill en fait. Ça veut dire que là je peux encore ouvrir combien de portes? Il me reste plus que 2 portes en fait là. Je suis complètement dans la merde. Attends une. Donc celle là je l'ai fait 2 fois. Donc 2 3 4 5. Ah ouais merde une. Et c'est la porte numéro 2. Et je vous jure ils ont intérêt à me donner des bonnes armes. Mais je crois que ça c'est une porte à item non? Ouais. Oh yes. Ah t'es content. Mais en fait je vais devoir me fight avec bah, des armes grises là. Je suis baisé gros. Ah t'es trop bien. Tu vas ici? Bah je suis obligé gros, j'ai pas d'armes, tu veux que je te tue à la pioche ou quoi? Non, mais réfléchis. T'as zéro truc. Bah si t'as des collants. Grenade. J'ai une grenade. J'ai pas des collants, j'ai une grenade. Ça n'est pas énorme ça. Hein. Ah, c'est hop. Ah, ouais. On va se calmer là, il essaye de niquer les gars. T'en prends une. Ah non, non, c'est pas une. Attends, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte les mecs, c'est quoi les règles? Ouais non, c'est 4 items. Ok, je peux prendre 4 objets dans cette pièce. Bah je vais quand même reprendre mon fusil d'infanterie. Je vais prendre la mitraillette. Hop, je vais placer ça comme ça. Bon, en vrai, ça va, c'est des bonnes armes. Y'a pas un fusil à pompe? Ouais, non, y'a pas de fusil à pompe, malheureusement. Bah, vas-y, je vais prendre le pistolet à silex. Et bah, vas-y, on est parti. On va se refight dans l'arène. Et le premier arrivé à 10 kills remportera la partie. Moments later. Ok, c'est bon. On est reparti pour le dernier round parce que Zézé, il a eu un petit crash. C'est bon, t'es prêt, gros? Moi, je suis déjà parti. Ouais, je suis là. Ok. Ok. Mais j'ai pas de pompe, c'est horrible. C'est horrible quand t'as pas de pompe, hein.
Oh, let's go. Allez hop, ça dégage. Ah bah ouais, mais mec, le pistolet à Silex, il est tellement overcheaté. Même en rareté grise, en fait, il met énormément de dégâts, quoi. Moins 166, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ah bah, let's go, c'est bon, j'ai trouvé les pierres. Bah, attends, juste à faire ça. Hop, on met des petites balles à CZ. Oh. Allez, let's go. Bah ouais, c'est serré, mais toi t'as de meilleures armes que moi. Donc t'as quand même moyen de gagner. Bon, après t'es nul, du coup. Bah, faut pas abuser, genre t'as quand même une scar. Hein. Oublie pas que moi j'ai que des armes grises. T'es où toi? Ah, t'es là. Ouais, ce qui est bien, c'est que vu que t'as la pierre, t'es ultra lent quand tu tombes, tu vois. Je vois rien. En fait, prendre la pierre, c'est un mauvais bail. Hein. Vraiment, prends pas la pierre. Je répète pour les personnes qui sont toujours sur la vidéo, mais n'oubliez pas de venir me follow sur Instagram, les potes, c'est super important. Parce que là, pour le mois de décembre, je vous fais un petit concours aux 100 euros de V-Bucks avec des pioches multi. Ça, j'en ai pas parlé, mais je vais vraiment essayer de vous faire gagner des pioches multi. Normalement, ça va être ok, si je dis pas de conneries. Mais dans tous les cas, il y aura les 100 euros de V-Bucks à gagner. Hop, t'es pas mort. Voilà, meurs, Zedrox. Meurs, putain. T'es vraiment pas intelligent. Bah, tu me vois pas, mec, tu mets des ballons. Oh, le hop, ça dégage instant, gros. Je t'ai vu un instant et t'es plus là, t'as disparu en fait. Wesh, monsieur. Alors, oh, le shoot de Z. Le shoot, il est là. Putain, mais si seulement j'avais mes double pistolets. Bah ouais, c'est vrai, du coup, il est pas là, c'est vrai. Ah, je te vois en bas. Salut, Zedrox. Tu restes en bas, tu ne montes pas. Wesh, mais mec, arrête avec tes balles, là, tu mets trop de dégâts. Non, gros, j'ai raté ma balle. Oh, putain, GG, franchement, bien joué, Zedrox. Pourquoi tu construis pas? Mais... Bah, je sais pas, quand tu fais ton Bambi, t'avances sans construire, je comprends pas. Alors, je sais pas, en plus, tu m'entends que je suis en train de te pourchasser comme un malade. Non, j'ai pas même pas. Oh. Ok, ZZ, là, je joue G4B. Ok, y'a pas de problème, j'ai des réponses. Allez, hop, on proche. Zedrox! Wesh, ça a pas touché? D'où ça touche pas, là? Oh, t'es cancer! Moi, j'ai pas des trappes. Oh, dommage. De toute façon, je suis pas. Juste là, hein, t'as juste à modifier. Du coup, je suis cancer, après lui joue le ballon, il me fait un bébé. Oh non, il va modifier, il va réussir à me tuer. Ouais. Oh putain. Prévisible. Oh. Aïe. T'as pas le droit, ça c'est pas sympa. Ouais bah là visiblement Zedrox vient de se suicider dans mes grenades. Au moins les potes, on a quand même réussi à le massacrer, Zedrox. Résultat, il m'aura tué deux fois sur deux manches confondues. Parce que ouais, il faudrait se rappeler à la... C'est vrai que c'est pas mal, tu m'as tué deux fois sur 20 occasions. C'est vrai, c'est pas mal. En tout cas les potes, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Un maximum de pouces bleus. Mais attention, juste avant de partir, n'oublie pas de venir me follow sur Instagram. C'est extrêmement important vu que prochainement je ferai un concours pour gagner 100 euros de V-Bucks plus des petites pioches multi par-ci par-là. Donc si tu es intéressé, n'oublie pas de venir me follow sur Instagram. C'est flou, YT tiré du bas, tout simplement. Sinon il y a tous les liens en description. Alors je vous laisse checker ça. Et aussi aux 10 000 soutiens dans la boutique avec le code FL2O, je vous ferai gagner 1000 euros de V-Bucks sur Fortnite, tout simplement. Enfin bref, Zedrox et moi-même, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao!